Bonjour, bienvenue sur la boîte noire du musicien.com. Je suis aujourd'hui avec le PA4X. Bien sûr, vous le connaissez, c'est la référence aujourd'hui dans la famille arrangeur de chez Korg. Mais je suis là aujourd'hui pour vous présenter la toute dernière version, le tout dernier OS. Il s'appelle Nex 3. Avec cette troisième version d'OS appelée Nex, le PA4X apporte de nouvelles sonorités. Prenons par exemple les violons avec leurs articulations. Vous trouverez des nouveaux programmes en mode layer. Vous connaissez déjà le son du piano du PA4X. Avec cette nouvelle mise à jour, a été rajouté un son de piano classique italien. Écoutons maintenant les nouveaux échantillons de piano électrique. Une nouvelle page pour les sons d'orgue a été créée. Les tirettes harmoniques de l'orgue sont d'une telle importance pour les musiciens qu'il a été nécessaire de repenser cette section, afin de la rendre plus proche d'une console classique d'orgue. Les sons ont été retravaillés pour les rendre toujours plus réalistes et convaincants. Avec cette mise à jour Nex version 3, le PA4X propose désormais un écran au contraste encore plus intense, qui met en valeur les éléments essentiels des différents menus de manière à classer visuellement les informations. Les codes couleurs sont à présent plus lisibles que jamais et facilitent la navigation au sein des vastes possibilités du PA4X. Lorsque vous pressez la touche Record, vous pouvez désormais choisir ce que vous souhaitez enregistrer, en mode song, style, pad et enregistrement MP3. Accédez également à la conversion de MIDI file en style. Quelques nouveaux styles ont été ajoutés sur cette version Next. Entre autres, de nouveaux styles avec le suffixe FS, qui sont sans piste de batterie. Avec la version Next, vous aurez la possibilité de sélectionner un plus grand nombre d'entrées dans le soundbook. Thank you.
La section échantillonnage comporte 3 fois plus d'espace qu'auparavant. Vous avez la possibilité de charger 1,5 Go d'échantillons utilisateurs et même jusqu'à 3 Go si vous utilisez l'algorithme de compression rapide. Dans la banque User, vous retrouverez quelques styles qui reprennent des thèmes très connus. Pour certains de ces styles, des suites d'accords ont déjà été enregistrées directement dans le séquenceur.